rencontré une personne qui est un homme de merde. Et il est tout fait de merde. Il me regarde avec des yeux de merde, des yeux un peu marrons, parce que l'eau de ses yeux de merde, c'est de l'eau marron de merde. Et toute sa peau est faite de merde, et quand il parle, il ouvre sa bouche, et je vois sa langue, c'est une longue langue de merde. Avec des gencives un peu baveuses de merde. Et j'ai regardé ses dents. Ce sont des dents très dures. Mais c'est de la merde très dure. Qui a beaucoup séché, qui est très dure. Mais ce sont des dents de merde aussi. Et ses lèvres qui bougeaient bien, normalement, c'était de la merde plus molle. Il arrivait à déplacer ses lèvres un peu molles, de merde molle, de façon normale. Et on voyait bien à ses mains, de longues mains de doigts, de longs doigts de merde aussi. Avec la paume des mains de merde, de la merde un peu plus claire, et le dessus de la main, de la merde plus foncée, et toute sa bouche, de merde un peu plus rouge que sa peau d'une couleur de merde assez conforme et unilatérale. Et je crois qu'il avait une cervelle plissée, dense, très serrée, avec des plis et des sillons qui étaient aussi, j'en suis sûr, une cervelle faite de merde, mais de merde serrée, avec des sillons, des rigoles dessus. Alors je me suis dit, cet homme-là, il a une grande quantité de sortes de merde en lui. Il doit avoir des merdes plus dures que d'autres pour se tenir bien debout. Et il doit avoir des merdes plus molles aussi à certains endroits, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue, ou les yeux, ou l'intérieur du corps, parce que son corps, ça doit être, son cœur, ça doit être de la merde aussi. Et puis le jus qui sort du cœur aussi, ça doit être un jus marronasse, un jus comme il en sort en même temps que la merde, un jus merdeux qui devait couler dans ses veines un peu plus consistantes, ces veines de merde. Et je me suis dit, tiens, je crois que je suis en train de voir là devant moi, c'est un homme de merde, peut-être c'est lui le bonhomme de merde. Je me suis dit, voilà, enfin je l'ai trouvé, c'est lui le bonhomme de merde. On le cherchait depuis très longtemps. Puis mon bonhomme de merde, alors que je croyais le tenir, avec toutes ses qualités et ses défauts, et ses merdes dures et sèches, ses merdes un peu plus molles, et même ses merdes totalement liquides, se couler dans son corps, et ses yeux aussi, ça coulait aussi sur ses yeux. D'un coup, mon bonhomme de merde, il est parti, il a fait, enfin,
D'un coup, il n'était plus là devant moi parce qu'il a, ça fait un grand bruit et puis il a disparu brutalement. On ne le voyait plus du tout. Voilà, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Il était là devant moi quand il